Et salut YouTube! Je vous présente un mode aujourd'hui avec lequel vous allez pouvoir récupérer un max de packs. Vous allez avoir des très gros joueurs dedans puisqu'on a des packs à 84+ minimum. Et vous allez voir que j'ai tapé mon premier 88 sur le pack opening. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et me dire qu'est-ce que vous avez eu de votre côté dans vos packs. Si le contenu là vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le petit pouce bleu, le petit follow comme ci-dessus. Et je vous souhaite un excellent visionnage. Tu dois absolument profiter de ce mode. Il te reste 5 jours, la vidéo va sortir aujourd'hui mercredi 9 octobre. Il te reste 5 jours pour profiter de cette astuce pour avoir un maximum de packs avec des gros joueurs garantis dedans. Donc il faut aller dans le mode match amical. Le mode match amical est ici, ensuite vous allez dans jeu en ligne. Ensuite vous allez dans gloire d'une nation. Donc là il va vous falloir avoir une équipe full nation, c'est-à-dire soit français, tous les joueurs français, même sur le banc, tous les joueurs anglais par exemple, espagnol. Le but c'est d'avoir une équipe complète et ensuite vous allez venir faire vos matchs. Donc là je viens juste de terminer de faire mes matchs et je vais aller me rendre dans objectifs. Vous allez voir, donc je vais dans les objectifs, vous allez dans live et tout en bas dans live vous avez l'objectif qui s'appelle gloire d'une nation. Et là vous voyez, vous avez différents types d'objectifs. Donc le premier c'est faire 3 matchs dans le mode. Donc peu importe si vous gagnez ou pas. Et vous gagnez un pack élément joueur or rare 81+. Donc déjà 3 joueurs minimum 81. Ensuite si vous faites 6 matchs, vous avez 3 joueurs mais en 82+. Ensuite 8 matchs, vous avez 2 joueurs 83+. Ensuite 12 matchs, vous avez 2 joueurs rares 81+. Et la cerise sur le gâteau, si vous faites 10 victoires, je viens juste de terminer l'objectif, vous avez 2 joueurs 84+. Donc on va l'accepter celui-ci. 2 joueurs 84+, c'est de grandes chances d'avoir un bon joueur pour alimenter votre équipe. Et ensuite, lorsque vous allez sur le menu principal, vous avez un pack 5 éléments joueurs rares 83+. Donc vous allez avoir 5 joueurs minimum 83. Donc avec tous ces packs, donc en tout ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs à ouvrir. En plus je crois que j'en avais déjà d'autres en attente. On va se faire un bel opening juste après ceci. Donc si je vais dans palier, il me reste ici les matchs amicaux. J'ai un pack 2 éléments joueurs. On va les ouvrir par ordre de rareté. Il me semble que j'ai débloqué aussi un pack méga. On retrouve ici dans la saison FC un Heung-Min-Son qu'on va récupérer. C'est un joueur de prêt, ça c'est pas très intéressant. Ok, on le place dans le club. Et ensuite on va dans boutique. Et là vous allez voir, ça va être le gavage, le pack opening. On va react en direct. Donc là j'ai un pack jumbo élément joueur rare. 24 joueurs les gars. 24 joueurs avec un qui a minimum 84 de notes. Donc ça, c'était grâce aux passes décisives. Je crois qu'il faut faire 300 passes décisives. Ensuite, celui-là, c'est celui qu'on vient d'ouvrir. On va l'ouvrir direct. On a une animation en direct. Pourquoi pas se taper un bon joueur directement. MD, Première Ligue, Anglais. West Ham. Malheureusement, West Ham, c'est pas foufou. Ce sera Bowen, carte à 82. On peut skip assez rapidement avec un autre joueur de Première Ligue, ça passera bien pour les SBC sur un petit pack comme ça. On prend. Ensuite, on a 81+. Ils sont tous dans l'ordre. Non, ils sont pas tous dans l'ordre. Donc, on va commencer par le 80+. 80+, petite animation. DG, allemand. Aïe, 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 aïe. La Ligue qui vient tout casser. Bayern de Munich. C'est une fille, du coup. Le Simon, je ne la connais pas, c'est toujours une carte à 81, DG. Ça partira aussi dans les SBC. Et on a André, le joueur lillois, ça part au club. On va ensuite vérifier qu'on n'a pas d'autres 80. On a un 81+, ici. Et on a un autre 81+, ici. 3 éléments là, on va prendre les 2 éléments. Ensuite, on partira sur les 3. Ok, DC, italien, Serie A. Un petit acerbi, ce serait propre. Qu'est-ce qu'on va avoir?
Un petit Romagnoli à 83, c'est pas foufou Romagnoli, mais on prend aussi pour les SBC. Et on a Fred en doublon. C'est des cartes non vendables, Fred va partir dans la réserve SBC. Ensuite, on va aller sur l'autre 81+, cette fois-ci 3 éléments joueurs. Let's go. Ça peut être pas mal ça, DC, allemand, Bundes. Aïe aïe aïe, j'aurais aimé voir du Bayern. C'est un Ginter, c'est vraiment pas fou. 54 de rapidité pour un DC, autant dire. C'est inexploitable. On a Pau Torres, pas mal ça, Pau Torres et Sancho dans le pack de joueurs de première ligue qui passeront très bien dans les SBC, ça c'est cool. Ensuite, on va aller ouvrir le 82+, 3 joueurs. 82+, DC Mali. Un DC malien, qui c'est qu'on a ? Koulibaly, non ? Al Hilal. Ah, c'est Koulibaly, carte à 84. C'est pas dégueu. Mais c'est pareil, ça partira dans du SBC. Shawinga, les gars, cette carte-là, je l'ai jouée au tout début de FUT. Elle est incroyable. Regardez, 94 de vitesse, 81 de frappe. C'est une carte que j'utilise encore en super sub de temps en temps. Donc, je vous conseille de l'acheter. Ça coûte rien du tout. Ça coûte entre 1000 et 1500, je crois. Et vous avez un super sub de compète. Et encore des cartes de Première Ligue. On va pouvoir se faire du bon SBC Première Ligue. Ça, c'est cool avec toutes ces cartes-là. On passe au 83+. Le pack 2 éléments 83+. Est-ce qu'on va commencer à taper du lourd, les gars ? DC français, Serie A, Pavard ou Varane, les gars ? Pavard, j'ai l'impression, je l'ai déjà. Et je l'ai déjà en évolution en plus de ça. Mais bon, c'est une bonne carte, les gars, Pavard. C'est une bonne carte. Pavard, il a un avantage, les gars. Vous voyez le petit losange sur sa carte. Il a l'atout qui lui permet de défendre en R2, L2 sans perte de vitesse. Et on a Christensen. Christensen, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais 85 de défense, c'est pas mal avec 67 de vitesse. Et c'est pas une carte que je vais jouer. Ensuite, on a le joueur or rare 83+. Donc là, normalement, on devrait commencer à taper du lourd, les gars. Allez, c'est parti. Petit anime, ça s'allume. Gardien. Arkema Première Ligue. Aïe, 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 aïe. Gardien féminin de l'OL. C'est Rice. Doublé d'une 88, les gars. Dans un 84+, on tape une 88 et une 87. Ça va être très, très bon. J'en avais besoin en plus pour le SBC de Saint-Maximin. Donc, on a besoin de grosses cartes comme ça. C'est très, très bon. On a une 88, une 87 avec Rice. Je sais pas ce que ça vaut, Rice, en termes de prix sur le marché. De toute façon, c'est du non vendable. On a Yago Aspas. Bon, lui, c'est le classique qui tombe tout le temps. Martinez. On est très fourni en première ligue, les gars. Ça, c'est cool. Allez, ça part tout dans le club. On ira trier ça plus tard. On a l'unboxing à finir. Le 84+, 2 éléments. Est-ce qu'on va allumer le plafond ? Ça s'allume. MOC, anglais. Un petit Foden, ce serait incroyable, les gars. Il me manque Foden dans mon équipe. Tottenham. Attention. Aïe, 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 c'est Madison. Mais par contre, Madison, il a une carte incroyable, les gars. Elle est belle, sa petite carte, là. Qui c'est qu'on a à côté de Madison ? On a Guirassy. Donc ça, c'est des Fodders. Pour ceux qui connaissent pas les Fodders, c'est des cartes qui coûtent le moins cher par rapport à leur note. Donc Guirassy, c'est vraiment un Fodders 84. C'est-à-dire que sa carte, je crois qu'elle tourne, si je dis pas de bêtises, à 1002 ou un truc comme ça. Donc c'est des cartes qui valent rien, mais qui servent beaucoup sur les SBC. Donc on prend également. Et maintenant, le dernier pack, le 24 joueurs, dont un avec une gêne de 84 minimum. Espérons qu'on va reprendre une grosse animation avec un 87 ou un 88. Ce serait cool. Allez, c'est parti. Attention, c'est allumé. C'est un DG portugais. Aïe, aïe, aïe. On n'aime pas voir cette ligue, les gars. On n'aime pas les joueurs saoudiens. Ah, Al Hilal. Est-ce que ça peut cacher 86, malheureusement, Joao Cancelo. C'est pas fou, les gars. Est-ce que ça cache quelque chose d'intéressant ? On a White derrière, Baltimore. Aïe, aïe, aïe. C'est que des cartes qui sont vraiment pas méta, ça, les gars. Ça,
Richarlison, ouais, on n'est pas dans FIFA 20, les gars. Ben, il n'y a rien d'intéressant encore. Le Guirassy qui partira dans les SBC. On a Shawinga qui est revenu. On a Varane. Ouais, c'est vraiment pas fou. C'est vraiment pas fou. Je suis déçu de ce gros pack, les gars, mais on fait avec. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On va faire plein de SBC grâce à toutes les cartes qu'on vient de récupérer. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Et salut, t'es encore là? Ça veut dire que le contenu de la vidéo t'a plu? N'hésite pas à venir nous donner de la force sur nos autres réseaux, tu les trouveras tous dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!